Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment initialiser votre Opel Astra Sport Rare après vidange ou après ce message. Écoutez, maintenant on va démarrer la voiture, écoutez bien. Maintenant, regardez le message qui s'affiche. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer de réinitialiser tout à l'heure. Durée de vie restant huile 0%. Du coup, vous avez fait votre vidange, vous avez changé vos filtres. Maintenant, il y a ça à réinitialiser. Du coup, tout se passe sur... Tout se passe là. Maintenant, tout le réglage, ça va se passer sur cette manette que vous voyez ici. Le manette se trouve à votre gauche. Il y a le bouton menu ici pour naviguer. Et le bouton set control ici. Je vais vous montrer ça. Tout se passe là. Sur le bouton menu. Et le bouton qu'il y a ici au bout. On va essayer de le filmer, le bouton qui se trouve là. Et le bouton set control qui se trouve bien sûr ici. Vous allez naviguer sur le menu jusqu'à ce que... Une fois que vous voulez valider, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là pour tout réinitialiser. Bouton menu, bouton set control. Là maintenant, je vais naviguer sur le bouton menu. Et là maintenant pour réinitialiser, je vais appuyer sur le bouton set control. Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser? Je vais lui dire oui et j'appuie dessus. Durée de vie restante du moteur est à 100%. Bon ben maintenant vous avez vu comment faire. Maintenant, on va démarrer la voiture, voir si ça va biper ou aussi si le message, ça va toujours s'afficher.
Maintenant, c'est bon, la voiture n'a pas bipé comme tout. Comme au démarrage d'habitude, il y avait toujours le petit bip qui m'indiquait comme quoi il fallait faire le vidange, après il fallait réinitialiser. Maintenant, le vidange est fait, tout ça a été réinitialisé, il n'y a plus de message d'erreur. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao, ciao, à la prochaine les amis.